Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi 15 avril et aujourd'hui nous allons faire une séance de phonologie. Nous allons découvrir un phonème. Donc je vais vous lire d'abord la petite comptine et vous allez me dire ce que vous entendez dedans. Je mets mes lunettes sinon je ne peux pas lire. Abracadabra. 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 Le chat regarde le rat et le rat s'en va. Abracadabra, c'est comme ça. Abracadabra, c'est comme ça. Vous avez bien entendu? Alors, qui peut me dire quels sont les mots que vous avez entendus dans cette comptine? Le mot, oui, il revient beaucoup celui-là. Abracadabra. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu d'autre comme mot? Le mot chat, c'est cela. Et puis, un autre animal. Le rat. Voilà. Le chat regarde le rat. Est-ce que vous avez entendu d'autres mots? C'est comme ça. Et puis, il y en a qui ont entendu autre chose? Oui, c'est cela. Le rat s'en va. Alors, si on redit ces mots, abracadabra, regarde, le rat, le chat, s'en va, c'est comme ça. Est-ce que vous entendez quelque chose qui revient dans chacun de ces mots? Déjà dans le premier mot, abracadabra, on l'entend plusieurs fois. Oui, j'entends des enfants qui ont trouvé la bonne réponse. On entend à chaque fois, dans tous ces mots, le son A. C'est le phonème A. Très bien, vous avez trouvé. Je vais vous le montrer. Donc le voici, c'est le phonème A. Et regardez, A a mal à la gorge et ouvre la bouche pour montrer sa gorge au docteur. Il fait A. Voilà, c'est le phonème A. On dit aussi le son A ou le phonème A. Donc, je vais vous demander de chercher tout seul dans votre tête, sans l'aide de papa, sans l'aide de maman, sans l'aide de vos sœurs ou frères si vous en avez, de trouver trois mots dans lesquels on entend le phonème A. Et des mots qui ne sont pas déjà dans la comptine, hein, des mots nouveaux. D'accord? Et au prochain Zoom, la semaine prochaine, vous nous donnerez ces trois mots que vous avez trouvés qui contiennent le phonème A. Donc voilà pour aujourd'hui. On va redire une petite fois la comptine ensemble. Et puis, vous avez deux jeux sur le blog à faire, deux petits jeux interactifs sur le phonème A. Voilà, on relit la comptine ensemble. Abracadabra. 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 Le chat regarde le rat et le rat s'en va. Abracadabra, c'est comme ça. Abracadabra, c'est comme ça. Très bien. Eh bien, je vous souhaite un bon exercice. Cherchez tous les mots que vous pouvez, même en vous promenant dans votre maison. Cherchez si vous entendez des leçons A dans les objets que vous voyez devant vous. Faites toutes les pièces, votre chambre, la salle de bain, la cuisine et cherchez le son A, le phonème A, partout. Bonne journée. Au revoir les enfants.